Chaque filtre à air de la gamme des nouveaux produits robustes Radial Seal dispose de diverses améliorations importantes par rapport aux modèles précédents. Les filtres à air FPG et FPG Alexin, FRG et FRG2, SPB2 et SRB sont plus fiables et plus résistants. Chacun de ces produits est également plus léger et plus facile à entretenir. Il s'agit de filtres à air à double étage adaptés au milieu moyennement à hautement poussiéreux. Les modèles SPB2 et SRB sont adaptés au milieu hautement poussiéreux. Voici les étapes de service. Étape 1. Vérifier l'indicateur de maintenance sur le corps de filtre à air. Ces indicateurs de maintenance sont généralement montés sur les filtres à air et sont recommandés pour la surveillance du niveau de restriction du dit filtre à air et pour signaler si une intervention d'entretien est nécessaire lors du fonctionnement normal de l'engin. Remplacez la cartouche filtrante R uniquement lorsque le niveau de restriction atteint le maximum recommandé par le fabricant du moteur ou de l'équipement. Si le niveau de restriction pose problème ou pour tester la restriction initiale, enlevez l'indicateur de maintenance. Du filtre et mesurer la restriction du système en utilisant une jauge de restriction de type horloge ou un manomètre à eau. Pour plus d'informations sur les indicateurs de maintenance et outils de mesure Donaldson, reportez-vous au module A18. Étape 2 déposez la cartouche filtrante R et inspectez la valve clapée appelée Vacuator. Coupez votre moteur dévissez ou désenclenchez le couvercle du filtre pour effectuer la maintenance. Pour les modèles FPG Alexin, une empreinte jaune permet de déverrouiller le couvercle. Pour ce faire, il suffit d'appuyer vers la gauche et de le détacher du corps du filtre. Grâce à son joint radial, le filtre s'adapte parfaitement sur le tube de sortie. Une résistance s'oppose donc initialement, comme lorsque vous rompez le joint d'un pot de conserve. Déplacez lentement l'extrémité de la cartouche filtrante vers l'avant et l'arrière pour rompre le joint, puis faites pivoter le filtre tout en le tirant verticalement. Évitez tout contact entre le filtre et le corps. Si le filtre à air est équipé d'une valve clapée Vacuator, inspectez-la visuellement, puis pressez-la. Assurez-vous que la valve clapée Vacuator reste souple et qu'elle n'est pas inversée, endommagée ou bouchée. Si l'apparence de la valve est similaire à l'une des photos suivantes, elle doit être remplacée. Étape 3. Inspectez visuellement l'élément de sécurité et nettoyez les surfaces d'étanchéité du tube de sortie. Si votre filtre à air est équipé d'un élément de sécurité, vérifiez visuellement l'absence de dommages sur la surface de cet élément. Ne changez l'élément de sécurité que s'il est endommagé ou doit être remplacé. Vérifiez également que l'élément de sécurité est correctement installé dans le corps du filtre complet. L'élément de sécurité doit être remplacé tous les trois changements de la cartouche filtrante air. Utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer la surface d'étanchéité de la cartouche filtrante R sur le diamètre extérieur du tube de sortie. Si vous remplacez également l'élément de sécurité, essuyez la surface interne d'étanchéité du tube de sortie. Assurez-vous que la zone d'étanchéité du tube de sortie et de la durite moteur est intacte. La présence de contaminants sur la surface d'étanchéité peut entraver l'efficacité de l'étanchéité et provoquer des fuites. Les constructeurs de moteurs affirment que quelques grammes de poussière sont suffisants pour endommager gravement un moteur. Si l'élément de sécurité doit être remplacé, ne laissez pas le tube de sortie exposé à l'air. Si l'installation de l'élément de sécurité neuf est retardée, couvrez le tube de sortie du filtre à air afin d'éviter toute pénétration de poussière. Étape 4. Vérifiez la cartouche usagée. Inspectez la cartouche usagée pour déceler tout signe de fuite. Une ligne de poussière du côté propre de la cartouche filtrante indique une fuite. Éliminez les éventuelles sources de fuite d'air avant d'installer la nouvelle cartouche filtrante air. Étape 5. Inspectez la cartouche pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation. N'installez jamais une cartouche endommagée. Vérifiez visuellement l'intérieur de l'extrémité ouverte, c'est-à-dire la zone d'étanchéité. N'essuyez pas la zone du joint radial de la cartouche filtrante Donaldson 9 car elle peut être enduite de lubrifiant sec afin de faciliter l'installation. Étape 6. Insérez correctement la nouvelle cartouche filtrante Radial Seal. Tout d'abord, si vous effectuez l'entretien de l'élément de sécurité lors de la maintenance, installez-le correctement avant l'installation de la cartouche filtrante R. Insérez prudemment les filtres neufs. Installez la cartouche filtrante air à la main en vous assurant qu'elle est entièrement insérée dans le boîtier ou corps du filtre à air. Pour une étanchéité parfaite, appliquez à la main une pression au niveau du rebord extérieur de la cartouche filtrante et non dans le centre flexible. Aucune pression du couvercle n'est nécessaire pour maintenir l'étanchéité. N'utilisez jamais le couvercle du filtre pour appliquer une pression. Cela peut endommager le boîtier et les fixations et annuler la garantie. Une fois la cartouche en place, fixez le couvercle du filtre. Pour les modèles FPG Alexin, tournez le couvercle vers la droite jusqu'à la butée, puis poussez l'empreinte jaune pour le verrouiller. Étape 7. Vérifiez les raccords pour un ajustement serré. Assurez-vous que les indicateurs de maintenance sont remis à zéro et sont en bon état de fonctionnement. Vérifier que l'ensemble des supports d'installation, collier, boulon et raccord du filtre complet air est correctement serré. Vérifiez l'absence de trous dans les durites, puis procéder aux réparations ou remplacements selon les besoins. La présence de fuites dans la tuyauterie d'admission permet à la poussière de pénétrer directement dans le moteur. En conclusion de notre module de formation, nous allons résumer les étapes d'entretien présentées. Vérifiez l'indicateur de maintenance du filtre Enlevez le couvercle du filtre, le cas échéant, puis retirez la cartouche filtrante R usagée. Vérifiez la valve clapée, appelée Vacuator. Inspectez visuellement l'élément de sécurité. Si vous n'effectuez pas l'entretien de l'élément de sécurité, ne le déposez pas pour l'inspecter. Si vous effectuez l'entretien de l'élément de sécurité, déposez-le et inspectez-le. Nettoyez la surface d'étanchéité du joint. Inspectez la cartouche filtrante Air usagée. Inspectez les nouvelles cartouches filtrantes R. Installez en premier l'élément de sécurité, puis installez la cartouche filtrante Air. Vérifiez l'absence de composants usés ou desserrés dans l'ensemble du filtre Air. Ce guide de maintenance est considéré comme le meilleur guide des bons gestes. Cependant, elles n'ont pas pour but de remplacer ou supplanter les instructions d'entretien fournies par le fabricant de votre moteur ou de votre véhicule.